Toulouse a été une ville où la résistance était très 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 importante. On parle beaucoup de Lyon, parce qu'il y avait Jean Moulin, mais en fait, Toulouse était la ville de la zone non occupée, la grande ville de la zone non occupée, où se créaient, où se réunissaient tous les réseaux de résistance. Et ici, il y a une activité résistante très très importante, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y avait aussi une unité de la Gestapo très très importante. Avec l'aide du comité départemental de la résistance, eh bien, nous avons décidé de créer un circuit de mémoire, un circuit touristique. C'est un circuit de 2 heures. Les touristes se déplaceront, ça va commencer en quelques jours, les touristes se déplaceront sur 11 sites. Chaque site sera un lieu thématique. Par exemple, c'est Toulouse, la résistance et les intellectuels, la résistance et les renseignements, la résistance et les lieux et les projets d'évasion, les actions d'évasion. Bref, différents thèmes qui seront tous représentés par un lieu. Et ensuite, dans les années qui viennent, chaque thème sera lui aussi développé par un petit circuit de tourisme spécifique, hein. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte que non seulement les Toulousains, mais également tous les touristes découvrent à quel point la résistance était importante à Toulouse. C'est ça l'idée.